D'ailleurs, les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? Alors, c'est lui, du coup? C'est un ex? Oh, c'est magnifique. Oh, ça commence bien. Oh, ça commence bien. Attends, combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? Vous n'êtes pas ensemble? Toi, tu décides pour eux, pas encore. Vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? 5 ans. On peut dire que tu as le passeport d'un pays qui s'appelle la friend zone. On peut le dire ou pas encore? Il y a peu de chances que vous vous mettiez ensemble? Très peu? Elle a fait, je préfère pas répondre. Alors, donc oui, donc ça n'a pas de rapport avec lui. Donc, c'est l'actuel avec qui tu es en ce moment? Non, c'est ex. C'est ex, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet ex? J'ai raté... Ma vie. Il me l'a même pas dit. Ça me tenait à cœur, j'ai raté. Ça te tenait à cœur? J'ai raté de décorer mon sapin de Noël. De décorer ton sapin de Noël. On va tous arrêter 2 minutes sur cette phrase. Sur le vide intersidéral qui entoure cette activité. C'est fou. Elle a pas commencé par dire un truc et après ça me tenait à cœur. Elle a commencé par dire ça me tenait à cœur. Ce qui veut dire aucun jugement de votre part. Je pose les règles, c'est ouf ce qui va arriver. Ça me tenait à cœur de décorer mon sapin de Noël. Et tu l'as raté. Comment tu peux rater la décoration d'un sapin de Noël? Il n'y a que 2 composantes, des guirlandes et des boules, et c'est pas une dédicace pour toi. Comment tu as pu rater ça? T'étais à l'étranger. Oui, si tu l'as fait par télépathie, c'est sûr que... Donc t'étais à l'étranger, t'étais en quel pays? Ou t'es en train d'inventer une histoire, ou en fait? Sur la terre du milieu. J'étais sur la terre du milieu. Sur un Nazgûl, pour Noël, car ma vie est plus meilleure que la vôtre. Je sais que ça se dit pas plus meilleur, ne répète pas ça. Hein. Alors, t'étais à l'étranger, d'accord. Et le sapin était où? Chez moi. Où, chez toi? En France ou à l'étranger? En France. Donc c'est pas une vanne ce que j'ai dit. Elle a vraiment essayé de le faire à distance. D'accord. T'étais pas là pour le décorer. Donc quand je suis rentrée... Quand t'es rentrée? Mon copain a acheté un sapin. Ton copain a acheté un sapin. Il l'a mis dans ta chambre pour que tu puisses le décorer. Tu sais que ça ferait, non mais ça ferait une vraie thématique d'émission de confession intime, ça. Ça fait, moi j'ai envie de voir la suite de cette histoire. Je veux voir qui est cette femme. D'accord. Et donc ça, c'est le truc le plus mignon de toute ta vie. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui vont changer des sapins. Levez la main tous les garçons qui ont déjà été un sapin dans leur vie, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'y a pas... J'aurais dû demander, levez la main tous les garçons plutôt, ça aurait été plus simple. C'est le truc de base. Ok, on commence avec un sapin pourri dans une chambre, raté à cause d'une personne qui n'est pas là pour décorer elle-même son sapin et qui ne maîtrise pas la téléportation. Évidemment! C'est quoi le plus beau truc qu'il ait fait pour toi? Je regrette déjà cette question. Il t'a mis un mot d'amour sur le panneau de la ville. Et ça, tu hésites à le dire? Magnifique! Attends, il bosse pour la ville? Il bosse pas pour la ville, il l'a loué. C'est quelle ville? Le Valois en plus. Ah ouais, Alain, c'est pas de la merde, hein? T'as loué un panneau de Le Valois? Pourquoi t'as pas loué? Elles sont dégoûtées. Ah, mais s'il n'y a pas d'oseille, frère...